depuis très petit, j'admirais tout ce qui était peinture. Je ne connaissais pas vraiment la peinture de Chevalet. Je voyais des reproductions. Et très tôt, vers 11-12 ans, j'ai commencé à peindre à Montmartre, qui n'était pas du tout le Montmartre actuel. Il y avait encore des maisons et des toits de chaux. À 15 ans, j'avais terminé mes études secondaires, donc je fais une petite école de préparatoire aux Beaux-Arts, aux Arts décoratifs. Je suis rentré aux Beaux-Arts, aux Arts décoratifs, la même année, en 1953. J'ai loué une petite chambre de Bonne, dans le 9e rue de Maubeuge, qui était mon premier atelier. J'avais 16 ans. La carrière de Pierre Bara commence comme une chanson d'Aznavour qui nous parle de Montmartre, de ses lilas accrochés aux fenêtres et de la bohème. Le talent du jeune peintre, amoureux du trilo, sera vite reconnu. Les prix, expositions et reconnaissances en tout genre vont se multiplier, sans altérer le moins du monde le besoin et le bonheur de peindre de l'artiste qui s'est installé il y a une dizaine d'années à Bastia et qui, aujourd'hui encore, ne passe pratiquement pas une journée loin de ses pinceaux. J'ai commencé à tendre mes toiles moi-même, à apprendre, à en coller. J'achetais de la toile de tailleur. Et puis, j'adorais faire ça. J'adorais fabriquer ma toile. Et puis, très vite, j'ai exposé au Musée d'art moderne. Donc, c'était un concours. Je n'étais pas du tout préparé à aller à ce concours. Et puis, j'ai eu la chance de le gagner et d'avoir le prix du Musée d'art moderne en 1955, donc très tôt. Perdre la notion du temps quand on travaille, c'est la plus belle des choses que je ressens. C'est d'être dans mon atelier, de travailler, d'être seul, et de ne pas voir le temps qui passe. Je peux écouter de la musique en travaillant. La rapidité de ce temps, c'est un bienfait pour moi. La rapidité du temps de la vie, c'est plus compliqué. Ça passe trop vite. Mais cette rapidité de création, ou tout au moins quand je peins, bien ou mal, c'est un moment très très fort, d'absence en réalité, d'absence de tout ceci autre que la peinture. Dans les années 70, bien qu'il expose partout en France et dans le monde, et qu'il soit présent dans plusieurs musées, Pierre Bara éprouve le besoin de rompre avec la peinture. Il se lance alors avec son frère François dans la production cinématographique. Il produira quelques films, dont deux avec Marguerite Duras, qui deviendra une amie. Puis il reviendra à la peinture. Son goût prononcé pour la littérature se traduira dans les années 90 par une très belle série de portraits d'écrivains allant de Marguerite Duras à Nathalie Sarraute, en passant par René Char et Beckett. Visages, paysages, objets, Pierre Bara sait tout peindre. Sa palette est sans limite et la Corse où il a choisi de vivre ne manque pas de l'inspirer. Pour celui qui reçoit, il faut qu'il soit aussi créateur. Il faut quand même avoir un minimum de culture, c'est nécessaire. On ne peut pas voir vraiment un tableau si on n'a pas une culture qui permet de vraiment voir ce qu'il y a à voir. Je pense que le regard est un regard de création aussi sur l'œuvre. Et quand il y a osmose entre l'œuvre et le regardant, c'est très beau. Alors, j'étais installé en Corse il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Je pensais ne jamais quitter Paris. Alors, en Corse, j'ai trouvé cette atmosphère familiale qui probablement me convenait. Puis bon, c'est un pays magnifique. En apprenant la Corse, en apprenant comment les gens vivent, comment les gens pensent, c'est une terre très rude. J'essaie de rendre ça, cette difficulté, par l'opposition d'une lumière forte
le blanc, et puis du noir, qui est le côté difficile et beau, mais dramatique un peu de la Corse. Donc en Corse, je me suis, là où vous avez vu mon atelier, je travaille sur d'autres sujets que la Corse en noir et blanc, et je suis remarquablement bien. Là, je suis très très heureux en Corse. Thank you.